La danse du cygne, pour moi, elle est très riche, car c'est deux côtés de la femme douce, la femme perverse, et c'est très amusant, en fait, à interpréter. Ce que j'en imagine, c'est qu'il y a à la fois une douceur, un calme et à la fois quelque chose de très fort, de presque dangereux. On dit que les signes sont dangereux, donc une fausse douceur. Je bouillonne à l'intérieur et du coup ce rôle me permet de sortir ça et je pense que c'est ce qui me plaît beaucoup.